Shalom à toi, bien-aimé de Dieu, shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes encore réunis en ce matin dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors en ce matin, éternel Dieu, éternel Roi, nous voulons encore venir dans ta sainte et douce présence, en communion d'esprit avec tous nos anges gardiens et nos saints et les saints du ciel. Éternel Dieu, éternel Roi, en ce matin encore, quel privilège de nous tenir dans ta présence pour encore te magnifier, pour te louer, pour te glorifier, parce que tu en es digne. Te dire encore merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu renouvelles en chacun de nous. Te dis merci, Seigneur, pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Te dis merci pour le don gratuit de la vie. Te dis merci pour ta main posée sur chacun de nous. Éternel Dieu, comme tu es grand, comme tu es beau et comme tu es rempli de miséricorde pour nos âmes. Alors bien-aimé de Dieu, en ce matin, premier jour spécial que nous allons entamer. Entamer ensemble car c'est un cheminement, un tridoum que nous allons faire jusqu'au 31. Et durant ce tridoum, je ne veux pas prier seul, je veux prier avec toi. Peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle tu es, je veux tout simplement que tu puisses t'abandonner durant ces 3 jours, afin que l'on puisse encore crier à Dieu. Crier à Dieu dès le matin, soupirer à lui dès le matin. Mais en ce premier jour, je nous demande à tout un chacun que nous puissions humblement nous reconnaître pécheurs devant Dieu. Une année va bientôt s'écouler. Une année tire à sa fin. Une année qui a été remplie de hauts, mais également de bas. Une année où tout n'a pas été rose. Une année où nous avons manqué d'obéir par moments à la voix de Dieu. Une année où par moments nous avons rejeté parce que tout simplement nous n'avons pas voulu de cette volonté-là pour notre vie. Une année où nous avons manqué de charité envers le prochain, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, nous avons eu des actes manqués envers le prochain. Une année qui a été remplie de douleur parce que peut-être nous avons perdu un être cher. Et nous nous sommes mis à condamner et à juger Dieu. Pourquoi tu as pris tel? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Voilà pourquoi en ce matin, Seigneur, nous nous tenons dans ta présence pour implorer ta miséricorde, implorer ton pardon pour nos vies. Pardonner, absous
pardonner. Je veux que l'on prenne ce psaume ensemble, le psaume 50, que nous allons proclamer en unisson de cœur et d'esprit. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que de la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi ton esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur. Relève les murs de Jérusalem. Alors, tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Bien-aimé de Dieu, encore dans ce élan de pardon, de là où tu es, au fond de toi, je veux que tu dises tout simplement, Seigneur, je veux monter en ce premier jour du Tridoum, un autel d'adoration. Un autel d'adoration de repentir sincère pour toi. Un autel de louange de repentir sincère pour toi. De là où tu es au fond de toi, dis tout simplement, Seigneur, prends-moi dans mon état. Prends-moi dans mon état, parce qu'à part toi, je n'ai personne. Où pourrais-je aller? Et que ferais-je sans toi? Si tu ne me pardonnes pas, Seigneur, qui le fera? Qui le fera? Qui le fera? Alors, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Un regard miséricordieux sur chacun de nous. Un regard miséricordieux sur chacun de nous. Nous t'en supplions. Mon âme a ton vacillé, je viens à toi, mon sauveur. Je t'implore, oh, prends pitié,
car je suis trop loin de toi. Mon âme a ton vacillé, je viens à toi, mon sauveur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis trop loin de toi. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Contre toi seul j'ai péché, ô Seigneur Dieu, lave-moi. Alors bien-aimé de Dieu, demande à ce que Dieu vienne se laver entièrement, te laver entièrement de tout ce qui était fardeau de 2023, de tout ce qui était mensonge de 2023, de tout ce qui était colère de 2023, de tout ce qui était tristesse, de tout ce qui était amertume de 2023. Demande à ce que Dieu vienne te laver de ça, qu'il vienne te purifier de tout cela, parce que tout simplement, tu ne veux pas rentrer dans ce même état-là en 2024. Alors demande à Dieu de te laver entièrement de cela. Seigneur, lave-moi de tous mes mensonges. Ce que je peux cacher à l'homme, je ne peux pas te le cacher à toi. Alors Seigneur, lave-moi de mes mensonges. Lave-moi entièrement de mes fautes, Seigneur. Viens créer en moi un cœur pur pour pouvoir élever des adorations, élever des cantiques de louange, éternel Dieu, pour pouvoir réjouir ton cœur à toi. Viens me laver entièrement de tout ce qui était fardeau d'amertume, de tristesse, de peur, de doute, Seigneur. Viens me laver entièrement de cela. Kyrie, 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 eleison, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Sauveur. Oui Seigneur, pardonne. 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 Pour l'année 2023 qui tire à sa fin. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien-aimé de Dieu, tout au long de cette journée, de ce premier jour de Tridoum, nous allons continuer dans cet élan de pardon, de demande de pardon. Demandez véritablement pardon à Dieu pour l'année 2023 qui tire à sa fin, pour tout ce qui se passe, mais toujours dans cet élan de pardon. Et l'on se donne rendez-vous demain pour notre deuxième jour de Tridoum. Alors, je te souhaite de passer une excellente journée et que la miséricorde de Dieu soit réellement notre partage à tout un chacun. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.